cet été, je suis parti en vacances, j'ai progressé. T'es parti de loin, hein, cela dit. Non, mais l'histoire de la pétanque, il faut dire une vérité, c'est que c'est souvent après un apéro. Donc, ouais. On n'est pas forcément bon après l'apéro. Mais quand je me concentre, je ne suis pas mauvais. C'est vrai, je ne voulais pas trop en parler, mais ces petites mâches qui te collent à la peau, même sur Twitter, là, j'ai vu, dès que tu mets un truc, on ramène ça, et vas-y, on va boire l'apéro, etc. C'est peu, je sais que pour toi, ce n'est pas pesant, parce que bon, tu t'en fous. En revanche, ça te casse les pieds pour ton entourage et tes enfants, ça aussi, on peut le comprendre. Mais par moments, je me dis, mais pourquoi il n'en joue pas? De toute façon, c'est comme ça maintenant. C'est, tu ne pourras jamais le changer, ça. Non, ouais, je sais bien, je ne pourrais pas le changer. Après, parce que je n'ai pas envie d'en jouer, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être gavant. Quand c'est gentil, on peut se marrer. Quand ça devient de l'insulte, c'est très dérangeant. Et parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une famille, parce que voilà, ils n'ont pas bon, les enfants, je n'ai pas envie que mes enfants entendent tout ça. Et qu'aujourd'hui, ils sont des réseaux, voilà, c'est partie de leur quotidien aussi. Mais je n'ai pas envie d'en jouer, parce que d'une part, alors oui, c'est vrai, je reconnais que j'ai été un peu excessif par moment. Mais quand on connaît le nombre de joueurs qui ont été plus excessifs que moi, des fois, ça me fait marrer. Mais oui, mais alors ça, personne n'en parle jamais. Parce que, n'oublions pas, et j'essaye pas de faire l'avocat de Sidney Govou, parce que je t'aime beaucoup, et plus encore, mais tu t'es jamais caché, même quand tu faisais le con. Et c'est ça qui t'a coûté. Parce que si tu avais fait comme les autres, oui, bien malin, te mettre dans un coin et faire des fêtes où personne ne fait pas de photos, etc., on l'aurait jamais su, ou très peu. Et toi, t'es trop entier et trop idiot aussi de t'afficher. Par moments, je dis, mais pourquoi? T'as qu'à faire ça discrètement. Mais parce aussi. Que c'est ma naïveté d'arriver dans le football tard. Quand t'arrives dans ce métier que tu ne sais pas ce que c'est, peut-être que si aujourd'hui, avec mon vécu, je refais une carrière, je ferai des choses différentes. Je ferai peut-être autant de conneries, mais de façon différente. Mais c'est vrai que quand moi j'arrive dans ce métier-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas de repères. Je sais pas, je connais pas, je sais pas qu'on va être connu, je sais pas combien on gagne d'argent, je sais rien. J'arrive et en 3 ans, je suis exposé, chose que je n'avais jamais regardé. Je ne savais pas ce que c'était.